Salut les enfants, comment allez-vous? Bonjour Très bien. Papa. Bonjour. Ah, ça me fait plaisir. Bonjour, Didier, papa. Salut ma poule. Comment salut, ça va, bonjour. mon Ça va fidèle. Mon petit maître? Mon maître va bien? Ouais. Ça va? C'est bien de parler comme ça. C'est bien. J'aime bien quand on m'appelle comme ça. Merci. À moi, tu reconnais mes talents. Oui. Au moins, il y en aura au moins un qui l'aura fait. Bon, alors, aujourd'hui, je ne peux pas le présenter parce que c'est un copain, c'est un vrai copain, c'est un ami depuis plus de 30 ans. Près de 30 ans, dis donc, tu te rends compte, un truc, oui, on était beau. On était beau. On était jeune. Il est né 20 ans après mon fils, le même jour. Donc, on a fait des anniversaires ensemble, etc. On a passé des moments fabuleux à la campagne ensemble. Un musicien hors pair. Je veux parler de monsieur Pierre Péribois. J'en parlerai jamais assez, mais il le sait. Donc, on va pas en rajouter. Ouais, merci. C'est mon pote. Merci, Jaco. C'est gentil. Ouais. Et puis, ma belle Isabelle, la marraine de mon émission. Hein, Isabelle? On s'est fait virer ensemble d'IDFM. Bon, c'est pas grave. On a rebondi. Il y a d'autres radios maintenant. On a rebondi. Quand tu t'en vas d'une radio, tu en trouves plein d'autres autour. Ah ben voilà, c'est ça. Par contre, tu devrais mettre ton micro un peu plus fort, je t'entends moins bien. Ah mince, ben, je vais me rapprocher alors comme ça. Ah voilà, ça voilà, c'est mieux. Très bien comme ça. Voilà. Bien, voilà. Bon, mon petit Gilet, c'est toi qui nous as fait le programme avec de merveilleuses vidéos. Alors oui. Des albums sur Pierre Péribois, on en a une tonne. Hein. D'ailleurs, on vous dira comment vous les procurer éventuellement, parce que moi, j'ai même pas fait le choix, parce que j'ai toute une armoire là, je sais pas pourquoi. Et puis on va en écouter d'ailleurs. On écoute d'ailleurs. On y va. Alors attends. Alors le thème, la programmation, ça va être simple. D'abord, on va passer les tubes de Pierrot parce qu'évidemment, moi, je peux pas m'en passer Pierrot. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Oui, je sais, je te vois venir. Et puis après, alors je gratte un peu, et alors j'ai trouvé des morceaux qu'on n'a pas l'habitude d'écouter et qu'on fera un plaisir de vous faire écouter. Et puis après, eh bien, on a surtout les pépites de l'émission qui sont très importants. Alors là, les pépites de l'émission, nous allons aller dans les années 2000, 2004, même dans les années 95. Voilà. Oh là là. Ah ouais, oh là là. Je vous dis. Ah, tu m'impressionnes, JD, tu m'impressionnes. Ah, mais j'ai travaillé un peu j'ai travaillé. Regarde, ce qui est arrivé en dernière minute. Je voudrais dire une chose. Tu cherches beaucoup les morceaux que t'aimes bien de Pierrot. Tu ferais mieux de nous envoyer les produits locaux. Enfin, bref, c'est autre chose. Allez, non. Parce que ça, on n'entend pas jamais parler. Hein. Bon, allez, vas-y. Et puis, pour terminer, il y a un bonus qui est de dernière minute que j'ai trouvé hier. Voilà, un truc de dingue. En noir et blanc. En noir et blanc. Faut savoir que JD travaille jour et nuit sur les émissions. C'est dingue. En tout cas, c'est vachement préparé. Hein. C'est bien. Parce que ce qu'il fait pour moi, il le fait pour Isabelle aussi. Exactement. Oui. C'est notre binôme. Voilà. Oui, c'est un beau binôme. Hein. C'est un beau binôme. Le jour où il va nous envoyer la facture, je m'en vais. Oui, ça va vous coûter cher. Non, mais c'est bon, on fera des cadeaux à Noël, on a compris. Ouais, voilà. Allez, bon, JD, on écoute de l'accordéon un peu. Ben oui, alors on va commencer par un premier morceau. Évidemment, le bal d'Auvergne. Le petit bal d'Auvergne. Le petit bal d'Auvergne. Voilà. Qui a été mis à la postérité grâce à notre ami Pierre qui a reçu le prix Jean Ségurel. Voilà, de la chanson. Ouais. Quelle année, Pierrot, ça? Me demandez pas les dates, je suis incapable de fixer les événements. Non. Moi, je pense que c'est d'année 2004-2005 par là, non? Ah oui, quand même. Non, c'est plus tard que ça. Hein. C'est plus tard que ça. Hein. Ah ouais. Et toi, JD, tu ne connais pas la date alors? Moi, je pense que j'étais à IDFM quand j'ai présenté l'album et que tu partais. Je me demande si je l'ai pas. Ouais, mais je pense que c'est. On l'écoute là. On va vous dire ça après. Je pense que c'est dans les années 90 par là. Parce que t'as fait ton boulot à moitié. je comptais sur Pierrot, moi. Petit bal d'Auvergne. Oui. Tu vois, t'es dans mes archives, juste à côté de moi. Ah, bravo. Alors, c'est bien parce qu'il n'y a pas de date. Voilà. Ben donc, on est content. Je travaille avec des branques. On a un numéro de téléphone du studio, donc on peut même appeler Marc Provence. Ah bah oui, voilà. Parce que... Bon, on l'écoute. C'est parti. Allez. Alors, on y va, on va écouter. «
familles viennent d'un peu partout, danser simplement sur des airs cantalous. C'est un petit bal d'Auvergne, il y a trois musiciens, c'est tout. Ici l'amitié vous donne rendez-vous, c'est un petit bal de chez nous. Ce bal de quatre sous, c'est tous les jours fête. On écoute du folklore et de la cabrette. Nos parents s'y sont connus sur un air de valse. Et j'y viens le cœur ému à la même place. C'est un petit bal d'Auvergne. S'en vont l'accordéon, on joue la bourrée, la java sans façon. Les garçons, les filles ont les mêmes frissons. C'est un petit bal d'Auvergne qui vit à l'abri du temps. Papy et mamie retrouvent leurs 20 ans. C'est un petit bal épatant. La musique est pour vous, c'est un petit bal de chez nous. On vous y attend, la musique est pour vous, c'est un petit bal de chez nous. Petit bal d'Auvergne. Moi, je vous propose une surprise aujourd'hui aussi. C'est que je vais vous faire, parce que depuis quelques semaines, JD me faisait des quiz avec des accordéonistes sur les titres d'accordéonistes, des morceaux, des compositions. Quelle année ? 99. Ah, 99. Voilà. Voilà. 99. 1999. Voilà. Eh ben ouais. Ah, dis donc, ça passe, hein. T'as vu okay, les archives alors... de l'émission, mais ça, ça va quand même. Ça passe quand même. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Oui. Aujourd'hui, oui. Au milieu de l'émission, Didier nous avait lancé sur des quiz, mais toujours basé à base de la musique, il y en a marre, mais nous, on est des vrais sportifs avec des Pierrot et Pierrot. Oh là là, c'est pas votre cas, je suppose, mais nous, on s'en fout. Alors, on va faire un quiz aujourd'hui, mais on le fera plus un peu plus tard, sur le sport. Puis là, on va voir si tu la ramènes autant, Didier, que d'habitude. Hein, voilà. Ouais, mais enfin bon, c'est moi qui prépare les jeux aussi. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moi. Et là, on va jouer avec ton argent. Voilà, d'accord, ça va changer un peu. Okay. Alors, c'est lui qui paye, alors c'est bon. Alors, vas-y, voilà. Par contre, là, toi, tu fais partie des accordéonistes qui cherchent beaucoup les titres extraordinaires, des trucs qui marquent bien. Oui. Et le prochain titre, c'est. Il faudrait que tu m'expliques quand même d'où ça sort, ça. Mais toi, tu sens bon, Ginette. J'aimerais bien savoir ce que d'où vient ce titre. Ah, ouais. Ah, alors tu veux que je te réponde maintenant ? Oui. Alors, comme on avait écrit ça avec Bertrand Humbert, et bon, on cherchait effectivement un titre, et puis je sais pas pourquoi, il me dit Ginette. Oh, je dis, c'est bien Ginette, ça c'est vachement bien. Après, comment est arrivé Mets-toi du sang bon ? Eh bien, tout simplement parce qu'on se dit, Ginette, ben, quand elle va au bal, elle sort, donc elle se pomponne et tout, et donc elle se met du sang bon. Eh bien, j'ai dit, ça y est, on a trouvé, mets-toi du sang bon, Ginette. C'est tout bête, hein, mais tu vois, il n'y avait pas besoin de chercher midi à 14h. Bon, ben voilà, donc ah, on ça écoute Mets-toi du sang bon. Hein, c'est déjà marrant, quand même. Oh, ben, ça marche vachement bien, mets-toi donc. Et puis alors, j'ai une version érotique aussi. Non. Ah, ça je n'ai pas ça. Je peux pas, j'ai pas le droit. Si, pas le droit. Oh, il y a Isabelle, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu pour Isabelle. Mais bon, ah bon, d'accord. Je le dis. Non, vous voulez pas.
N'oubliez pas que cette émission passe sur RCB 96, qui est une émission, une radio culturelle, s'il vous plaît. Oui, oui, tout à fait. En un seul mot, hein, en un seul mot. Non, mais d'accord, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Radio culturelle en un seul mot. Donc, on y va, on continue, on met « Mets-toi du sang bon, Ginette ». Oui, c'est ça. J'aime le slow à la lavande, la valse au jasmin, la java au pain des Landes, qui sent bon parfum. Parle-moi d'un vieux tango, plein de patchouli, et même d'un flamenco, au centre de Paris. Mets-toi de son bon Ginette, puisqu'on va danser, se frotter aux bal musette, toute la soirée. Mets-toi du son bon Ginette, car ça va chauffer. Mets-toi donc de l'eau de toilette, ça me fait chavirer. J'aime les effluves de vanille qui font biquiner, et l'air du bois de Chaville, brise du Muyer. Parle-moi d'un vieux Boston sur ton mimosa, et même d'un Charleston dans tes yeux lilas. Mets-toi du sang bon Ginette, puisqu'on va s'aimer. Mets-toi un truc qui en jette, comme ça aviné. Mets-toi du sang bon Ginette, de la tête aux pieds. Ce soir on va faire la fête, on va s'amuser. Allez vas-y Ginette, mets-toi du son bon ce soir. On va faire la fête, on va s'amuser ce soir. Mets-toi du son bon Ginette, puisqu'on va danser, se frotter aux bal musette toute la soirée. Mets-toi du sang bon Ginette, car ça va chauffer. Mets-toi donc de l'eau de toilette, ça me fait chavirer. Voilà. Alors ça aussi, le prochain titre, c'est un truc aussi, un morceau un peu phare. Moi, je l'ai joué, figurez-vous, j'ai eu la chance il y a quelques années, parce que j'ai connu ici un copain, monsieur Michel Prubaud, qui a un restaurant, qui a fait du vélo avec lui. Et comme il était bien implanté dans la région au niveau du cyclisme avec Lucien Aymar à l'époque, j'ai eu la chance de faire 3 animations sur le Tour méditerranéen. Oh, alors ils m'ont dit, ouais, vous le faites en vélo ou vous préférez jouer assis? J'ai dit, je vais jouer assis sur un tabouret. Et là, je leur ai fait, nous on fait du vélo. Et c'est un bon morceau, ça, mon Pierrot. Pourquoi tu avais fait ça avec Pierre Gendron, je crois, hein? Alors, Pierre Gendron, Marc Provence, et... Alors, j'ai quand même un petit truc à vous dire, c'est que, en fin de compte, ce titre, il marche super bien. Ah, même oui. Maintenant encore, mais là, oui. Il est très écouté sur le... Même sur le net et tout. Et donc, je vais ressortir l'album avec une autre pochette, tout ça, on va virer parce que, bon, les temps changent et puis ça se modernise. Alors, donc, ça va ressortir incessamment sous peu. Je pense qu'on aura ça très rapidement. Bon, ben, en début d'année, avec le confinement, ça change évidemment tellement de choses. Mais voilà, on a travaillé dessus. J'ai pas touché à la mélodie, on n'a pas touché aux arrangements. Ce sera exactement le même truc, sauf que c'est la pochette qui va changer, qui sera beaucoup plus d'actualité. Ouais. Oui, parce que la pochette, maintenant, il y a des vélos, puis maintenant, il y a des vélos électriques, c'est plus facile. La pochette que l'on a là, c'est la pochette du 45 tours. Parce que t'avais fait un oui, je sais, tour. Bah oui, bah oui, elle a jamais été modifiée. Petit Pierrot si en Claude Court, t'es mignon comme ça en Claude Court. Ah ouais, mais t'as vu l'âge qu'on a là-dessus. Attends, j'ai dit, il faut arrêter quoi. Ouais, mais c'est collector ça. Ah oui, c'est collector, tu m'étonnes. C'est dit collector, mais ouais, c'est bon. Tu m'étonnes, tu vois. Bon, alors on y va, on y va. Nous, on fait du vélo. Allez, vélo. Avec les copains, on a rendez-vous pour faire ensemble Paris-Melun. En maillot de couleur et casquette à fleurs, sur nos gros vélos, on a tous l'air de vrais coureurs. Au début c'est dur, on pense l'allure, petit à petit la vie fait place à la nature. Le nez au guidon, mon Dieu que c'est bon, on nous applaudit car on est de la graine de champion. Pour découvrir
arrêter pour boire un coup ou deux et pour saucissonner. On a vu passer sur des vélos bleus des jeunes filles sympas qui roulaient à la queue le leu. Sans faire de chiquet, on les a appelés. Un quart d'heure après, on révisait leurs pédaliers. Quand on est rentré ensemble à Paris, on a fait la course en sifflant comme des canaris. Nous, on fait du vélo. Y'a rien de tel quand on s'éclate à bicyclette. Nous, on fait du vélo. Ça fait du bien quand on avale des kilomètres. Nous, on fait du vélo. On a du lion et du tonus dans les gonnettes. Pour découper, c'est quand le compteur est à zéro. Nous, on fait du vélo. Voyez mes petits agneaux, nous on fait du vélo, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le dos. Ça détend, c'est super pour la forme et le stress, ça fait des beaux mollets, une vraie cure de jeunesse. Quand les semaines finies, au lieu de vous coucher, prenez la bicyclette, venez nous retrouver. Pour dépasser l'auto, le bus et les taxis, il faut faire du vélo et avancer dans la vie. Nous on fait du vélo. Ça m'a un peu essoufflé. Ah, ça fait du bien. Hein. Bonne petite marche. Hein. Et vous avez vu quand même, vous avez vu, messieurs, dames, quand même qu'à l'époque, il y a plus de 25 ans, on avait fait un passage rap. On était quand même, on dit que les accordonistes sont des ringards, mais pas du tout. On était vachement en avance sur notre temps. Ben, ça dépend lesquels, hein. Il y en a quand même des ringards. Oui, mais... Ah, Isabelle, ça y est, ça commence. Ça y est, elle attaque, on va s'en sortir. Et même des jeunes, plus jeunes que nous. Ah oui, ouais, bah, je veux. Vous voulez des noms? Non, on va pas. Non. Je vais faire une petite première question du quiz. Oui, non, d'accord. Non, on n'a toujours pas notre invité surprise, mon JD? Non, je vous le dirai. Bon. Alors, vous savez qu'il y a eu un match de foot il y a 2-3 jours mémorable. D'ailleurs, Pierrot, ça m'a étonné que tu n'aies pas mis des commentaires sur Facebook. Non, j'étais pas le faire. Ah, lui, c'est spécial. Hein. Oh là là là, on vous en parlera parce que lui, il y va. Hein. Écoutez-moi bien, la question est simple. Son père a été son capitaine. Et aujourd'hui, c'est le capitaine du fils. Il s'appelle comment? Poulidor. Alors. Isabelle, elle est chez Bron, Isabelle. Je recommence la question. Attends, son père a été son capitaine. Oui. Et aujourd'hui, il a été le capitaine du fils. Aujourd'hui, il a été le capitaine. Enfin, il y a 2 jours, il a été le capitaine du fils. Ah, Thuram, Lilian Thuram. Non, ça c'est le nom du joueur. J'ai dit, il a été son capitaine. Ah il, bon a, il a été son capitaine. Non, et, ouais, il a eu le père comme. Non, il a eu le père comme. Ouais, arrêtez, ça suffit. Hein. Il a eu le père comme capitaine et aujourd'hui,
il a été son capitaine. Il a eu le père comme capitaine. Il a eu le père comme capitaine et aujourd'hui, il est le capitaine du fils. Oh, alors là, Steve Mandanda, le gardien de but. Ah bon, gardien de but. Ah bon. Ouais, la première sélection, il avait comme capitaine Lilian Thuram. Et oui, il y a deux jours, il était capitaine de son fils. Ah, bravo, monsieur Jacques. Bravo. Ah, super. Ça fait du bien. Ça fait du bien. JD, je t'ai pas entendu, hein. Ah, bah non, mais là, écoute, là, je peux pas tout faire non plus. C'était le football. Tu sais, oui, bah, c'est pas son rayon, hein, JD, c'est la volaille. C'est la volaille, JD. Rien à voir. Bon, JD. Oui. On va lancer une danse que j'aime bien. J'aime bien le Boston, moi. Ah oui, puis c'est un morceau que j'ai découvert chez Michel Pruvot, parce que Pierre l'avait joué chez Michel, le Boston, oui, le Boston de juin. Donc on a le droit de jouer, on a le droit de jouer. Ah, c'est joli, hein. Ah bah j'adore. Ah ouais. Fait on ça avec mon ami Jameau, avec Jameau. Ah, Jean-Paul. Avec Jean-Paul. Ouais. Oui. On a beaucoup travaillé. Super guitariste. Ah ouais. Des trucs. Jean-Paul, un jour, il m'a écrit une valse, j'ai jamais pu la jouer. Mais enfin. J'ai pu lire, j'ai réussi à lire le titre. Je crois que j'étais derrière. C'est pas grave. Et puis il avait fait un album, Jean-Paul Jameau, tout seul, comme un à la guitare, avec Ludovic Beyer. D'ailleurs, c'est lui, Ludovic, qui l'avait. Ouais, parce qu'ils étaient tous les deux ensemble. Sur la Creuse. Ouais. Je vais vous donner un scoop. Je vais vous donner un scoop parce que Jean-Paul, je l'ai eu hier au téléphone, comme un fait exprès. Et il m'a annoncé qu'il avait. Marchand, comment on dit Marchand, qui avait enregistré une de ses compositions. Oui. Voilà. Nous avons le CD qui a été fait par Ludovic Beyer sur Guy Marchand. Nous l'avons déjà.
Ah bah ça, c'est bien. Je vous l'envoyer par WeTransfer, monsieur Péribois. Oui, je veux bien, ça m'intéresse. Je vais vous l'envoyer. Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? Tu dis quoi? C'est des émissions, mais c'est ça l'accordéon, là aussi. Comme quoi, c'est des émissions qui marchent en binôme. Bah ouais. Bien sûr. Bon, je suis désolé, moi, non, ma compagne, j'ai eu l'info qu'hier. Hein. Bon, faut pas tout. On va vous montrer la pochette. Ouais, je l'ai, avant toi. Voilà. Je t'ai eu. Ouais, mais c'est à l'envers. Pardon, merde, mais excusez-moi. Voilà, très bien, parfait. Guy Marchand. Et c'est Guy Marchand, voilà. C'est Guy Marchand. Voilà, et donc, si vous écoutez l'émission Mais c'est ça l'accordéon, il y aura des disques à gagner au mois de décembre. Ah. Et on aura le droit de jouer, nous on peut jouer alors. Oui, vous aurez le droit de jouer, il n'y a pas de problème. Ah bah alors, pour C'est ça l'accordéon, on peut l'écouter également sur YouTube, Isabelle, on est bien d'accord. Exactement, on retrouve les émissions sur YouTube, sur la chaîne officielle Isabelle. Bah, allez sur YouTube, vous regardez Accordéon Passion, vous terminez ça. Vous écoutez Accordéon Passion, après vous allez sur C'est ça l'accordéon, vous avez déjà passé une matinée. Voilà, exactement. Après, il n'y a plus qu'à faire le ménage. Alors. Ah oui, c'est très belle broche, très bel album. Excusez-moi, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'on écoute, mon petit JD? Eh bien, nous allons écouter maintenant. Alors, nous allons écouter la danse que t'aimes bien, Jacques, c'est la rumba. Ah oui? Ah oui. Alors ça, c'est tiré de la compile à Pierrot, qui est le volume 1. Alors avant, le Boston de juin, c'était l'album Vive les pompiers de Pierrot. Et là, c'est la compile à Pierrot. Le premier volume de Pierrot, et on va écouter tout de suite Dansons la rumba. Monsieur Péribois, qu'est-ce que vous croyez? Il y a de la recherche. Oh bah, écoutez. Enfin, lui, il recherche beaucoup, disons. Non, mais c'est des morceaux qu'on n'a pas l'habitude d'écouter et ça change un petit peu de la dernière fois, quoi. Voilà. Deuxième question du quiz. Oui. Pierre, excuse-moi, Jacques, je voulais demander à Pierrot, les dernières compositions, tu les as faites avec qui, là, les toutes dernières? Oh.
Je pense qu'il y en avait pas mal avec Jean-Paul. On avait fait pas mal de trucs avec Jean-Paul Jameau. Et puis j'en ai fait tout seul. Voilà. Ah ben voilà. Jamais mieux servi que par soi-même. Pas vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Donc. Voilà, oui, non mais... c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est un peu un truc que je regrette parce que dans le peu de carrière que j'aurais fait, j'aurais bien aimé écrire. J'aurais bien aimé écrire des choses plus souvent tout seul, mais bon, bah voilà, on était parti dans un engrenage, j'étais pas du tout. Mais maintenant, je crois que le fait que déjà avec la situation qu'on vit là, j'ai tendance à me mettre à l'écriture. Et puis, comme j'avais déjà dit, je crois Isabelle, j'ai changé aussi mon fusil d'épaule. Je fais plus de musette et en réalité maintenant je me suis mis plutôt à l'accompagnement et tout. Ce qui fait que de changer de style de musique, ça te donne plein d'idées et j'ai des trucs intéressants. Mais pour l'instant, je garde ça pour moi, mais voilà. Vous seriez même surpris d'entendre des choses que j'ai écrites et qui va vous surprendre parce que franchement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant. Et bien, écoute, tu nous feras la. Tu fais plus d'arrangement aussi. Oui, un peu, ouais, quand même. Un peu. Sinon, promets-moi une chose, dès que tu sors ça, tu nous en fais la primeur. Ouais, sortir, non, je vous enverrai certainement des maquettes. Oui. Je suis en train de travailler sur des répertoires totalement. Le fait que j'ai acheté un autre instrument, ça me donne plus d'idées. Je veux pas faire de polémique avec les instruments, mais voilà. Et donc, je travaille du Barbara, j'ai redécouvert des chansons, par exemple, d'un type de Jean-Jacques Debout qui a fait des merveilleuses mélodies et sur laquelle on travaille aussi avec ma chanteuse. Là, on travaille dessus parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Très bien. Alors, écoute-moi, Pierrot, une autre question concernant un peu la musique. Oui. Et me concernant ici, j'espère que tu vas pouvoir répondre. Et parce que j'ai retrouvé, figurez-vous qu'hier, j'ai eu la chance de retrouver moi, les premiers enregistrements que j'ai fait grâce à M. Pierre Péribois. Ah oui. C'était en 95, messieurs, dames. Oh là là. C'était en 95. Déjà. C'était dans un studio à Montreuil, je crois. Ah oui, pochette, j'avais réussi à me faire payer parce que j'étais pas beaucoup d'argent. J'avais réussi à me faire payer la pochette par Patrice Dumoulin de Saint-Noix. Un truc de fou. Ouais. Il avait participé à ça. Et toi, tu m'avais composé un morceau pour moi. Ouais. J'ai retrouvé tout l'album hier. Je l'ai remis sur un CD. Je te l'ai envoyé, JD. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le titre de ce morceau? Oh la vache, non. Tu vas me faire de la tête, tu vas me faire de la... Alors bon, je te fais... Non, je te fais de la peine, là, mais attends, ça date de combien, mon gros moi? T'as même fait un album... Non. Hein, quoi? Non. T'as même fait un album. T'as fait un album qui porte ce titre. Oh merde. J'en ai fait 50 des albums, alors je peux pas me souvenir de tout. Je sais pas. En plus, j'étais très étonné. Il y avait d'ailleurs sur ce CD, il y a un super tango. Ah, dis donc, la photo. Pour rien vous cacher, j'ai trouvé que l'intro était belle et je me suis souvenu que l'intro, c'est toi qui me l'avais fait. dis-moi, la photo. La photo de cet enregistrement, t'es photographié devant le moulin de Saint-Noix, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, avec une belle veste. J'étais beau. Ah oui, à cette époque-là. Oh, oui. Attends, j'étais beau. Je vais t'aider, Pierrot. Je vais t'aider. Il y a le mot musette dedans. Ouais. Oh la vache. Ah oui. Bon, on passe le prochain morceau. Il va te chercher. Alors, on écoute quoi, mon père? Qu'est-ce que t'as dit, Isabelle? Qu'est-ce que t'as dit? Le petit bal musette? Non. Non, c'est pas du musette pour deux ou un truc comme ça? Non. Oh, bah, je sais pas. D'abord, c'est un titre qui est très connu d'ailleurs. C'était Tant qu'il y aura du musette. Ah oui, oh là là. Bah oui, quand même. Le trou de mémoire. Alors, j'ai envoyé un jour, JD mettra ça dans l'émission, peut-être. Je ne sais pas si on a le. Ah oui, c'était bien d'ailleurs tout. Ce truc-là. C'était magnifique. Ouais. Et je te dis, dans cet album, il y avait un super morceau. C'était Sur le chemin de ta maison. Oui. Que j'ai joué. Mais l'introduction qui est magnifique, c'est toi qui l'avais fait. Mais je le dis parce qu'on s'en fout, on est entre nous. Mais et vous m'a dit, elle est belle l'introduction. J'ai dit, oui, c'est Pierrot. il vaut mieux être bien introduit, je veux dire, hein, parce que c'est mieux. Ah bah de ce côté-là, on est quand même des experts. On continue? Alors, mon petit JD. Et attends Jacques, tu sais la magie de l'émission, c'est ça qui est bien. Je vais me transformer en Samantha de ma sorcière bien-aimée. On va écouter Tant qu'il y aura du musette tout de suite.
Oh, pas joli. Beau, ça. Alors, écoutez ça, pas beau, parce que ça, je suis magique, ça rigole pas. Ben, envoie. Voilà, hop, c'est parti, tant qu'il y aura du musette. Pas vrai ça. Ah non, c'est fini. C'est fini. C'était beau. Ah, c'était bon. Bon, reprenons. Okay, aujourd'hui, comment t'occupes tes journées, mon petit Pierrot, aujourd'hui? Oh, ben c'est pas compliqué. Moi, j'ai la chance d'être à la campagne. Donc, je peux encore me promener. Je peux me promener avec mon chien. Je travaille dans le jardin parce que c'est bien. Je me suis mis au jardinage, c'est parfait. Mais je fais quand même beaucoup de musique quand même. Je fais beaucoup de musique parce que bon, d'abord ça me change les idées. Et puis tu vois, je me lamente pas. Je pense qu'on est tous dans une méga galère là. Je crois que pour oublier tout ça, bah il faut tout simplement faire ce qu'on aime. Et moi j'adore faire de la musique. Donc et je travaille de tu vois, j'ai remis le nez dans des morceaux que j'avais pas bossé depuis longtemps. Et bah ça fait du bien de reprendre les notes par note, de travailler voilà, parce qu'après tu sais, dans ce métier tu fais tellement des sbrouffes, après tu oublies les morceaux étaient structurés. Alors je retravaille des trucs et j'avoue que ça me fait vachement plaisir. Vous avez mis du temps à vous en apercevoir, travailler de note par note. Moi ça fait 30 ans que je fais ça. Oh, ils reconnaissent aujourd'hui que c'était pas pour toi. J'ai pas... Et toi, Isabelle, comment ça se passe là? Je passe beaucoup de temps pour mes émissions de radio.
avec beaucoup d'invités, je reçois beaucoup de choses. Et puis après, ben, je travaille aussi mon répertoire parce que je n'ai jamais l'habitude de travailler autant que maintenant parce que ben, avec 27 heures de cours, on n'a quasiment pas le temps de travailler l'instrument. Donc oui, je travaille mon instrument et je travaille pas mal de compositions de Gus Wieser, des morceaux de Reggiani, des choses comme ça. Parce que j'ai le projet de monter un duo, alors j'aime bien dire projet en ce moment, quoi, de monter un duo avec un pianiste qui est vibraphoniste aussi. Donc, mon rêve, c'est de jouer vraiment avec vibraphone. Donc, voilà, je suis en train de travailler l'accordéon et les compositions aussi, les compositions. Je suis en train de voir. Le vibraphone, c'est chouette, vibraphone, ah, une belle couleur, hein. Ouais, mais c'est surtout qu'en fin de compte, j'avais vraiment envie de faire duo avec vibraphone parce que l'accordéoniste Jos Baselli jouait du vibraphone. Et pas beaucoup de personnes savent qui jouait du vibraphone. Son nom, c'était Joseph Bernard. Donc, si un jour vous entendez parler de Joseph Bernard au vibraphone, c'était Jos Baselli. Et qui était directeur artistique au Palm Beach dans les années 70, c'était lui le directeur artistique et il était tout le temps au vibraphone. Il utilisait très très peu l'accordéon. D'accord. Donc c'était quand un peu Bernard, un clin d'œil à ce grand monsieur que j'adore, monsieur Baselli. Quand tu dis Bernard, ça me fait penser, il y avait ça sur YouTube, il y avait un orchestre qui s'appelle, l'orchestre Claude Bernard ou un truc comme ça. C'était que d'une famille. Vous n'avez jamais vu cette vidéo? Ah si, je l'ai vu. Ouais. Allez sur YouTube, regardez ça, c'est un truc, c'est fabuleux. Quoi. Il y a la mère qui a la batterie, l'autre, c'est un truc de fou. Ah, ça valait le coup. Dans cet tango, mon petit JD. Ah, il n'y a pas une question, non? Parce que tu. Ah, non, vas-y, parce que là, on veut un peu d'accordéon, parce que moi, j'ai envie de danser. Hein, alors, tu veux un tango? Alors, le tango que je vous ai choisi, c'est d'après l'album de Pierrot, on danse au bal Musette. Voilà, bah, c'est la moindre des choses. Voilà, c'est il y a quelques années. Et alors, c'est une superbe phrase qu'encore, c'est de notre Pierrot, évidemment. Je n'ai qu'un seul amour, c'est toi. Mon Pierrot. Alors là, tout ça sort. Si tu prends par les sentiments, Alors, d'où ça vient, ça? Ah, c'était une composition que j'avais fait ça avec Dominique Bello. Ah, Dominique Bello, ah ouais. Ça fait longtemps, ouais. Qu'un seul amour, c'est toi. Et puis, je pense qu'à l'époque, je devais avoir aimé quelqu'un. Le titre, là, c'est moi qui l'ai trouvé, en plus. Hein. Ah, ben oui. Ça pouvait, oui, voilà. Ah, tu sais, pour une fois que c'était pas. Mal, hein. Bon. On écoute ça alors. J'allais dire une bêtise. Je préfère me taire encore une fois. Vaut mieux que je me taise. Lâchez-vous, chef. Lâchez-vous, c'est votre émission. Non. Soyez pas pitié. Allez-y, allez-y. Non, parce que je vous dirai après, vous avez tous des projets, je vais vous dire le mien. Et là, ah oui, ah ouais. Fabuleux. Ah oui, oui. J'en ai parlé à Pierrot hier, il est d'accord avec moi. Allons-y. Seul amour, c'est toi.
corps, ma tristesse en sourire. On rêve à deux, c'est émouvant, vers le même avenir. Je n'ai qu'un seul amour, c'est toi, quand tu danses dans mes bras. On vit la vie d'un même pas, unis au même joie. J'ai trop besoin de ta main pour découvrir demain son chemin sans détour. Au grand jour, c'est toi mon seul amour. Voilà, un beau tango. Bon, alors, deuxième question, non, mais ça c'est plus personnel. Ah, le projet, on s'en fout, quoi. Pierrot, on s'est connu, tu te rappelles où est-ce qu'on s'est vu la première fois? Je suis au bord du suicide, hein. Je te le dis tout de suite, parce que je crois que ça la fait première fois, la première, la première fois qu'on s'est vu, la première fois. On se rappelle toujours de la première fois. Tu as dit à un copain qui était là, tu as regardé, tu as dû dire... C'est pas possible. Si c'était moi, allons-y. J'ai même acheté un accordéon ce jour-là, putain. Ça m'a coûté une fortune. Allons-y. Ah, c'était. Non, c'était pas chez Guy Duchesne, quand même, je crois pas. C'était pas chez Guy Duchesne, c'était avec Guy Duchesne. Mais où? Ah, oh, bah, ça devait être certainement quand j'avais ma maison de campagne dans les Deux-Sèvres. Non, ça c'est. Après, tu m'as invité, on est parti dans les oui. familiarités. Là, tu m'as emmené à la pêche et tout. Non, c'était au Salon de la musique. Oh la vache, t'as une mémoire, toi alors. Je venais de me faire virer de mon poste de boulot. J'étais tellement content que l'après-midi j'étais au Salon de la musique. Et qu'est-ce que je faisais J'étais sur un stand, moi. Je faisais quoi? Ouais, t'étais sur un stand, tu démonstrais. Et le soir, t'allais jouer dans un dancing où il y avait un mec qui s'appelait Michel qui voulait toujours qu'on joue L'amour interdit. C'était dans l'Est, sur la National 4. Ah, c'était bien ce dancing aussi, là. Ah oui, oui, le Castel. Voilà, ça c'était bien, ça. C'était quel beau dancing aussi, le Castel. C'est le beau pet show qu'on a à côté. Oui, c'est ça. Non, mais attends, c'est... On s'en va, quatre... Alors, je vous dis... Il va chercher loin. Il va chercher loin, quand même. Au revoir, on s'en va, allez. Non, mais reviendre. Non, fais pas de café trop fort, Isabelle, c'est pas la peine. C'est bon, on va tenir le coup. 1995, mes enfants. Ah oui, bon, en effet. Allez, on continue. On était jeunes et beaux. Oui, c'est vrai. Toi, tu devais pas être vieille non plus, hein. Ben non, voilà, c'est ça. On s'est connu à peu près à la même période. J'ai connu ta mère avant, c'était plus normal d'ailleurs, mais après, j'ai connu. On danse le Charleston. Bon, allez, le Charleston. Alors, le Charleston. Parlons-en du Charleston. C'est le superbe gala qu'avait fait notre ami Pierrot à Termignon. Oui. En janvier 2015. Exact, oui. Le danseur du Charleston, tu te rappelles, mon cher Pierrot? Oui, ça, je me rappelle, ça. Ouais. Je me rappelle. Termignon, c'est où, Termignon? C'est dans le Jura, non? C'est dans le Jura, ça, ouais. C'est dans le Jura, c'est oui. Voilà. Voilà. Et donc, on va te retrouver en gala, c'est ça que tu aimes bien aussi, en plus. Tu te régales. Hein, oui, j'aime bien. Ah, ouais. D'ailleurs, ce sujet-là, tu avais envoyé un scoop ce matin sur Facebook, sur Termignon. On n'en parle pas, c'est marrant qu'on en parle maintenant. Ça y est, c'est réparé. Parce que Loulou, Pierrot, quand même, quand il envoie des trucs sur Facebook, c'est souvent des obus, tu vois. Les gars, allons-y. On a eu un festival de Pierrot cet été avec le Tour de France. Parce qu'il passait pas une journée. Il commentait carrément. Alors, il était à la place des commentateurs parce qu'il commentait carrément l'étape. On fera un article l'autre jour. On fera un truc un jour sur les réflexions, un peu comme ils ont fait pour les conférences de presse de Charles de Gaulle. Ils ont fait une émission qui est marrante d'ailleurs. Et nous, pour les commentaires de Pierrot sur Facebook, on fera une émission aussi. C'est marrant, ça. Non, mais je vais me calmer. Noël arrive. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est bon. Ouais, bon ça, et ça fait du bien. Tu t'effoules au moins. Ça fait du bien. Nous, on se régale, nous. Hein. Ouais, je sais. La petite gilet, on y va? Ah ben on y va, au fond le Charleston, toujours on y va. C'est parti. On l'a pas dansé encore. Ah ben non, si tu veux, mais on peut, tu veux parler d'autre chose si tu veux pendant ce temps-là. Non, c'est bon, on va y aller. On va le danser. On va le danser.
Voilà. Allez, on y va. Bon, on y va. Ouais. Savoir mon projet. Oui, 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 le projet. J'ai envie de composer un opéra. Oh la vache. Oh, ben voilà, autre chose, oui. Maintenant. Il va y avoir un troisième confinement alors. Il va y avoir un confinement et la première chose. Bah oui, ça fait plaisir, hein, franchement. Reconnaissance de l'art, hein, ça suffit. De l'art, le l'art. Oui, de l'art. Enfin, oui. De l'art. Et là, regardez. Alors. Non, mais en ce moment, je cherche le titre. Donc, mais bon, c'est pas facile à trouver parce qu'il y en a beaucoup qui. J'avais pensé à Carmen, tout ça, mais ça existe déjà. Donc, ah oui, oui, là. J'en trouve d'autres. Donc, je cherche le titre et quand j'aurai trouvé le titre, je pense que. Ginette. Quoi? Ginette, c'est pas pris encore. Ah non, Ginette. Non, je vais me lancer dans l'opéra. Non, on appelle ça. Non, comment on appelait ça pendant un moment? Je crois qu'il y avait un accordéoniste, Bertici, comment il est mort il y a pas longtemps. Je me rappelle plus de son nom. Qui avait fait, ils appelaient ça de la musique contemporaine. Ça ressemblait à rien en fait, mais je vais lancer. Juste encore à la musique contemporaine. Ouais, je vais lancer un truc de musique contemporaine et là vous allez être surpris parce que ça va faire. Surtout, ça va être tout à la main gauche. Ah. Oh la vache, ouais. La main gauche de Ravel. Et, parce que j'ai vu James Chaucer qui jouait la main gauche des deux, moi je vais faire pareil. Et je pense que ça va être assez joli, mais je vous en enverrai le. Ah, il y aura beaucoup de silence, peut-être, non? Moi, je veux la primeur. Hein. Je suis un peu limité au niveau du silence parce qu'on m'a dit que j'en mettais trop. Bon, alors.
Bon, allez, alors moi je vais quand même parler de mon Pierrot, parce que Pierrot, moi je l'ai connu d'abord pour rendre hommage à des gens que j'adorais, grâce à Isabelle d'ailleurs. C'est la compagnie Gisard Schneider, tu te rappelles ? Tu m'as fait connaître ces magnifiques danseurs. Voilà, tu m'as fait connaître ces danseurs et j'ai vécu avec eux 10 ans de bonheur parce que pendant 10 ans, j'ai présenté leur spectacle. Alors évidemment, chez GGN. Et puis après, j'ai commencé à connaître les accordéonistes. Franck Villain, Pierre Péribois, Didier Couturier. Voilà, j'ai eu beaucoup de personnes avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Pierrot. Après, on a passé des après-midi de folie aux 10 de la République. Ah oui. Puis un Golton aussi, hein, parce que le 10 de la République, ils étaient généreux. Voilà. Ils étaient bien, ouais. Ah, ils étaient bien, hein. C'était magnifique, hein, le 10 de la République. Et on faisait des après-midi. Et alors, moi, j'enregistrais tout ce que faisait Pierrot. Et le samedi matin, eh ben, on faisait un spécial Pierrot en direct, en live. Et je retransmettais tous les trucs de Pierrot. Voilà. Donc, c'était sympa. Ah, c'était bien, le 10 de la République. Hein, c'était une grande époque. Ah ouais. Quand tu penses qu'à l'époque, j'avais été embauché pour 15 jours et je suis resté 15 ans quand même. 15 ans, même tu rencontres un peu. Et Pierrot, ça doit être là-bas que tu avais organisé un gala. On était avec Daniel Poli, je me rappelle. Oui. Photo de ça. Et celui qui avait enregistré cette soirée-là, c'est Christophe Lampideka. Il a gardé ça dans ses archives. Un jour, il m'a dit ça. Oh la vache, oui, bon souvenir, oui, t'as raison. Super moment. Vous savez que Christophe Lampideka habite à 11 km de chez moi. Ouais, mais il a des archives de cette époque-là. Il voulait prendre des cours, je lui ai dit, j'ai pas le temps, excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps. Non. En tout cas, il y en a bien qui m'a impressionné, c'était quand même Christophe, parce que quel accordoniste quand même, hein, c'est vraiment. Ah ouais, oui. Ouais, non, mais c'est vraiment extraordinaire. En plus, une musicalité, enfin, c'est un musicien complet. C'est un grand bonhomme. Ouais. Dommage, on n'entend pas trop parler, c'est bien dommage. Quoi. Non, mais il est parti dans un autre milieu. Il a joué longtemps dans un grand dancing dans la région, et oui. il est parti dans le jazz et puis autre chose, quoi. Oui. Comme, un peu comme Alain Musichini, pareil. Dans le jazz aussi. Ciao.